Reconstruire Notre-Dame sera sans aucun doute l'un des plus grands chantiers de ces dernières décennies. Pour y parvenir, première étape, protéger et sécuriser la cathédrale. Il va falloir être en porte-à-faux et de ce porte-à-faux mettre une charpente métallique et poser des bâches qui permettent d'étancher en totalité l'édifice. Une fois la sécurisation assurée, les experts devront établir un diagnostic très précis sur la structure du bâtiment. Il faut voir effectivement si derrière l'incendie gigantesque qui a eu lieu au niveau de la charpente, les structures, notamment porteuses, n'ont pas été fragilisées par le feu et aussi par l'eau. Puis il faudra mobiliser des ouvriers et regrouper l'équipement. La France possède le savoir-faire, la main-d'œuvre, mais aussi les matériaux nécessaires comme la pierre, le bois et les métaux. À l'aide des plans d'origine et des modèles 3D existants, la reconstruction pourra alors commencer. Emmanuel Macron a promis qu'elle se ferait en 5 ans, mais les experts sont sceptiques. D'après eux, il faudra au moins une décennie pour rebâtir Notre-Dame.